Sincèrement, je pense que j'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'avais envie d'un changement radical, en fait. Je suis arrivé ici il y a 6 mois maintenant. C'est clair que quand tu viens d'Allemagne, où tout est droit carré, où quand tu dis on a rendez-vous à midi et demi, t'as rendez-vous à midi et demi, ben, c'est clair qu'il y a quand même un petit changement, tu vois. Je dois dire que les Turcs sont des gens vraiment chaleureux, qui ont beaucoup de respect, qui adorent les enfants, qui sont toujours là pour rigoler, qui aiment leur travail. C'est pas toujours simple aujourd'hui dans notre société de trouver des gens qui sont vraiment prêts à donner de leur personne à 100% et le faire vraiment avec amour et envie et volonté. Le championnat turc, c'est un championnat qui est chaud de l'engagement tout autant au niveau des supporters. L'engouement, la ferveur des fans, cette chaleur humaine qu'ils ont et qu'il y a dans les stades m'a attiré. On est arrivé dans un projet qui était le projet d'Antalya, c'est-à-dire de vraiment faire une énorme équipe pour essayer de pousser pour les passes européennes. On se retrouve aujourd'hui avec un coach qui a une personnalité franchement extraordinaire, qui sait ce qu'il veut de ses joueurs, qui est respecté des joueurs aussi. Donc, le projet pour moi, c'est toujours le même. Je suis venu pour quelque chose, j'aimerais le terminer, c'est-à-dire essayer de faire grandir ce club. Parce que je pense que Eto'o a déjà fait une part du chemin avec ce club qui l'a mis à la lumière. Mais maintenant, c'est à nous de continuer et d'essayer d'aller dans le bon chemin. Il y a beaucoup de duels. Il y a aussi du bon jeu. Il y a des joueurs de partout qui sont arrivés et qui amènent cette qualité qu'il y a dans les autres championnats. Tous les fans sont impliqués. Tu vois, les tribunes vont crier « Kelmeze, Beas, pour Antalya, nanana », puis ça va s'envoyer des trucs. C'est un show, en fait, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Les stades sont pleins et l'engouement pour le football est extraordinaire. Les Turcs sont vraiment passionnés, ils sont chauds, ils vivent le match, ils vivent toutes ces actions et ils te transmettent leurs émotions. On est poussé par ça. Pour moi, l'intégration, c'est tout, en fait. Quand j'arrive dans un nouveau pays, c'est à moi de faire l'effort et pas aux autres de s'adapter à moi. Si tu fais pas d'effort, ben, tu pars déjà avec une longueur de retard. J'ai appris les bases, merci, bonjour et tout ça, et puis essayer de rentrer un petit peu, de m'intégrer, de discuter avec mes coéquipiers, de les impressionner l'un et l'autre, pour leur faire comprendre que j'étais là pour rester, pour m'intégrer surtout, et que je faisais partie de la famille d'Antalya.